La chronique sur la glace est une présentation de Capped Order, hygiène du sport. Capped Order, passe à l'action. Bonjour et bienvenue à une autre saison de chronique sur la glace. Cette année, tout au long de l'hiver, nous serons encore une fois accompagnés par des instructeurs de l'Académie de hockey Joël Bouchard, dont Ramzi Abid, Alexandre Jacques, Steve Brûlé, Martin Brochu. Et aujourd'hui, c'est Patrick Boileau qui brise la glace avec nous. Pat, le temps a bien changé dans la façon de jouer chez les défenseurs depuis nos années de hockey. Tu veux nous parler un petit peu de la nouvelle approche et la nouvelle façon de faire, la tendance qui se développe aujourd'hui. Oui, exactement. Ce qu'on réalise, des défenseurs comme Dan Kincaid, Victor Mété, des gars comme Riley du Canadien de Montréal, c'est des joueurs qui utilisent beaucoup cette technique du pivot avec les orteils en premier, ou ce qu'on peut dire, un angle au porteur. L'objectif de cette technique, c'est d'enlever du temps et de l'espace à l'attaquant, tout en gardant vers l'extérieur. Donc, c'est quelques exercices qu'on va pouvoir vous démontrer là-dessus. Parfait, on regarde ça de suite. Donc, Pat, avant de commencer nécessairement contre des attaquants, on va apprendre la technique comme il faut, comment est-ce qu'on approche un attaquant d'une situation un contre un. Effectivement, ce qu'on veut faire, on veut partir vraiment avec la base. On ne veut pas y aller puis mettre un joueur tout de suite dans une situation de un contre un puis que là, il perde confiance à ce moment-là. Donc, on va y aller avec un exercice simple, c'est le plus simple qu'on peut aller, mais on va vraiment bien démontrer la technique de ce côté-là. Parfait. Fait que si on y va, les boys, on peut y aller. Let's go! Excellent, good. Good. Parfait, OK, cool. Parfait, excellent. Là, les trois, vous avez bien fait votre bâton, sauf que là, vous sortez, vous allez quand même large dans votre virage brusque. Parce que je veux voir, allongez votre bras, je sais que vous êtes des gauchers, allonge ton bras, mais hop, reste plus serré dans ton virage pour pas être déporté vers l'extérieur. OK, on y retourne, let's go. Un peu plus vite. Plus vite. Excellent. Reste plus serré. Good. Reste plus serré. Excellent. Donc, c'est quoi l'erreur la plus commune qu'on peut voir d'un exercice comme ça? Les erreurs les plus communes qu'on va voir, c'est que moi, j'appelle ça un peu la barrière. À ce moment-là, le défenseur, il oublie de mettre son bâton. Fait que qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? C'est que le défenseur arriverait ici, il ferait son virage, mais il garde le bâton ici, ce qui ouvre le centre pour l'attaquant. Maintenant, on va faire la même chose, mais ce que je vais vous demander, c'est d'effectuer un pivot à la sortie. Fait que je veux vraiment que tu fais ton virage brusque. Maintenant, c'est comme si ton gap avec l'attaquant il est moins bon. Tu vas exécuter un pivot tout de suite par la suite. OK? On y retourne. Let's go. Virage, pivot. Excellent. Pivot. Maintenant, pour cet exercice-là, on a amené des attaquants pour avoir un peu plus concret ce qu'on peut voir dans cette situation d'approche. Exact. Tantôt, on le fait vraiment de la façon la plus simple possible. Mais là, maintenant, on va l'amener. C'est encore simple. Parce que c'est une situation qui est quand même assez évidente pour le défenseur. Quand l'attaquant reçoit la rondelle là, c'est quand même assez évident de s'en venir en angle au porteur. Mais on va y aller avec ça pour qu'ils qu'il fasse de la bonne façon. Parfait. Donc, on y va. On peut y aller. Let's go. OK. Stop. Stop, 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 stop. Juste de faire attention, Lady. Là, on l'a vu ici. Moi, j'appelle ça un peu ta barrière. Fait que ton bâton doit fermer le centre. Ce qui est arrivé, c'est qu'au début, tu es gaucher, tu es parti, puis tu avais ton bâton ici. Si l'attaquant lit bien le jeu, ce qui va arriver, il va tout de suite venir prendre le centre. Fait qu'on veut vraiment pas donner le milieu de la glace. Fait qu'on y retourne. Let's go. Hop! Regarde à l'extérieur. Excellent. Excellent. Ça, c'est parfait. Reste en dessous de la corde. Ferme ton gap le plus rapidement possible. Go! Ferme le gap. Good job. Excellent. Pour cette troisième phase d'exercice, là, maintenant, on augmente le niveau de difficulté pour nos défenseurs. On les met dans le trouble un petit peu plus. Oui, exactement. On va faire partir l'attaquant à partir de la ligne de ringuette. Le défenseur va partir sur le point de mise au jeu. Lorsque je vais dire go, l'attaquant va faire le tour du point de mise au jeu. Défenseur, on va le faire reculer. Donc, il va avoir une mauvaise distance entre lui et l'attaquant. Et là, il doit fermer son gap et utiliser la technique des orteils en premier à ce moment-là, l'angle au porteur. Let's go! Reste en mouvement. Parfait. Viens vers le milieu. Excellent. Un bâton. Excellent. Reste vers l'avant. Parfait. Excellent. Très bien exécuté, ça. C'est parfait. Good. OK, stop. Là, Denis, là, j'aime ce que je viens de voir. Là, je m'excuse, mais là, ce qui est arrivé, il a vraiment gardé les orteils vers la bande. Ouais. Il est allé vraiment vers le joueur et c'est là que la plus grosse erreur va arriver. Cette technique-là, est extrêmement dangereuse. Quand c'est bien exécuté, c'est facile, on regarde ça. Mais quand on fait une erreur, puis que nos orteils, ce qui est arrivé, c'est que tes orteils sont restés vers le joueur, puis là, il t'a tourné ça vers le milieu, t'as pas d'exécuter ton pivot. Fait que c'est important de tout le temps tourner les orteils vers le fond.
pour que quand tu exécutes ton pivot, tu es capable de revenir vers le milieu. Et c'est important de se faire confiance aussi. Avoir confiance en son patin et à sa vitesse, d'être capable d'amener ce joueur-là, nécessairement pas l'attaquer trop vite puis, et de peur nécessairement de se faire battre. Exactement. Donc, on veut vraiment, comme on l'a dit, l'objectif, garde-la à l'extérieur. Garde-la à l'extérieur. Super, merci. C'est toujours intéressant, Pat. Parfait. Merci. Et nous, on se retrouve bien la semaine prochaine.